vous allez apprendre à ajouter un logo sur un média grâce au logiciel Clipchamp. Pour ce faire, c'est très simple. Ici, on va imaginer que moi, je souhaite ajouter un petit logo ici en bas à droite d'une vidéo quelconque. Donc, j'ai une vidéo de skate, comme vous pouvez le voir. Et j'ai pris un logo. Donc, ici, c'est le logo d'une application, mais peu importe. Vous pourrez ajouter votre logo. Pour ce faire, assurez-vous que le média en question sur lequel vous souhaitez ajouter un logo est bien dans la timeline. Après avoir importé votre logo, le placez par-dessus le média sur lequel vous souhaitez voir apparaître votre logo. Ensuite, vous pouvez mettre votre curseur blanc au-dessus du logo pour bien visualiser où est-ce qu'il se trouve sur mon média. Et pour modifier sa taille ou le faire bouger, vous jouez avec les petits points blancs qu'il y a sur les côtés et le petit point blanc du dessous pour le faire bouger. Donc imaginons que moi je veux le mettre en bas à droite. Je vais tout simplement le positionner ici. Et si je veux le mettre en plus petit, voilà, je vais réduire sa taille à l'aide des petits points blancs. Et vous voyez que là, j'ai bien ajouté un petit logo en bas à droite. Pour bien couvrir la totalité de ma vidéo, je vais jouer sur les côtés ici pour rallonger la durée du logo et bien faire couvrir toute ma vidéo. Et vous voyez maintenant que si je joue ma vidéo, j'ai bien l'apparition d'un petit logo ici en bas à droite. Si jamais vous ne saviez pas comment importer ces médias, je vous mets le lien d'une vidéo en description. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et donnez-nous des idées de vidéos en commentaire.